Le saint du jour, aujourd'hui 22 juillet, nous fêtons Sainte Marie-Madeleine. Au matin de Pâques, Marie de Magdala découvre comme les apôtres le tombeau vide. Avec toute sa fougue et son amour passionné, elle reste sur les lieux pour chercher Jésus, persévère pour le trouver quand les autres s'en vont. Celle dont le Christ a autrefois expulsé 7 démons, voue une reconnaissance éternelle et infinie à son Sauveur. La suivit partout, le servant et le soutenant de ses biens avec d'autres saintes femmes. Elle est une des rares personnes présentes au pied de la croix et à la sépulture. Elle sera la première à recevoir l'annonce de la résurrection et sera chargée par Jésus lui-même de l'annoncer aux apôtres. C'est pourquoi on l'appelle l'apôtre des apôtres. Originaire de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, elle s'exile en Gaule à cause des premières persécutions et devient ermite dans le massif de la Sainte-Baume où elle meurt vers 80. Au XIe siècle, une partie de ses reliques est transportée à Vézelay en Bourgogne. Sainte Marie-Madeleine, aidez-nous dans le combat pour la sainteté et la pureté de cœur.